Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Bien, man. Bah... Cool, relax. Oula, on va éviter les vieux accents. Qu'est-ce qui t'arrive à Emo, là? Il est déjà bourré, l'autre. Oh, non. Ça y est, ça commence. Ah ouais, mais ça commence. Tu vas pas boire ce soir? Je bois mon petit apéro, quoi. Corona, tranquille. Là, t'es en train de picoler, là. Picoler, c'est mon apéro. C'est pas... on part jamais sur une jambe, donc c'est la première. Pour votre santé, l'alcool, c'est maximum 2 verres par jour, et pas tous les jours. Remember it. Soirée années 70. Mais qu'est-ce que c'est que vous, là, on voit que tu montres l'exemple. Le Guise, là j'étais chez le coiffeur. Pourquoi? Et qu'est-ce qui t'arrive, André Agassi? André Agassé. Et l'autre, Gilbert Montagnier. Non, mais vous allez m'enlever ça tout de suite. Attendez, c'est quoi là? Un peu de sérieux, un peu de tenue, sérieux. En plus, il crève de chaud. J'ai habitué à avoir des cheveux. Je suis plus habitué. Ok. Vous avez joué ensemble cette semaine, non? Ouais, on a joué ensemble, tranquille. On a essayé de mettre des petites choses en place. Ouais. Mais vraiment des petites, hein. Des petites. Petite, ouais. Ouais, bah, développer. On a fait de l'on rank. Non classé, on a fait de l'on rank. Beaucoup sur café. Ok. Au début, c'était un peu. Bah, déjà, on essaye de se comprendre au niveau des calls. Ça, c'était un premier truc. Au niveau de la strat, c'était plutôt des strats basiques. Prise du piano, voilà. Mais surtout, c'était entendre les voix de chacun et de se les mémoriser. Mm-hmm. Parce que je reconnaissais pas les voix de Bro, le Guiz. Le Guiz. Voilà, le Guiz. Hey, le Guiz. Ok. Et au fur et à mesure des games, bon, il y avait le choix des agents aussi au fur et à mesure qui était logique. Il nous a fallu quand même à peu près 3-4 games pour ressentir un peu l'effet de la. Ok, les autres du coup. Ben, moi, j'ai appris à jouer en fait. Ouais, peu. T'as appris où est-ce que c'était la classroom sur Oregon, c'est bien? Non, c'était la school. Ouais, okay. C'est pareil. Là, en vrai, c'est... Okay. Ouais, bah alors si vous mettez tout le temps à changer les noms, moi je vais pas m'en sortir. Hein. Ah ouais, pauvre petit. Ok, et alors du coup? Ouais, bah du coup, je trouve qu'on s'est. Au début, c'était un peu catastrophique, on va pas se mentir, surtout pour ma part. Et après, c'est allé de mieux en mieux. À force de se connaître et tout, ça allait mieux. Hein. Bientôt, on se fera tous des câlins. Ça pouvait difficilement être pire, non? Ouais, enfin non, mais on n'a pas été si pire que ça, en vrai. Hein. Si pire. Et du coup, quoi d'autre? Après, c'est un peu à peu près tout, parce que on a joué juste le mercredi ensemble, et du coup, enfin voilà, on fait selon les disponibilités de chacun, quoi. Donc, on a pu jouer que mercredi ensemble, et donc, on a fait quoi? Allez, on a joué peut-être 3 heures. En 3 heures, après, on n'a pas le temps de faire... beaucoup de choses, quoi. Mm-hmm. Voilà. On a fait un peu de théorie avec Améo. On a revu des replays et puis avec une explication sur l'importance de la CCTV si on est sur Master Gym, qu'avec des schémas, avec des lignes et puis tout, avec des explicatifs, Améo a compris vraiment l'importance de tenir cette pièce-là, quoi, en gros. Il y a un peu de théorie. Mm-hmm. Ok. Je sais pas pourquoi, je reste dubitatif. Et en revanche, Améo, t'es prêt à jouer, là, ou on va pas faire un podcast sur le reggae dans les années 70, mec, hein? Non, je vais retirer mes lunettes, tranquille, je vais mettre en position. Position combat. Ouais, la position de combat, ouais. C'est les lunettes nocturnes. Oui, c'est les lunettes de finition. Hein, c'est les lunettes qui vont nous permettre de voir la finition des 3 minutes. C'est pour bien que je voie le petit point pour travailler mon crosshair. Ouais, bien sûr. Ouais. Ok. Aemo boit de la bière, on me dit là. Ah, je suis pas tout seul. Mais comment ça? Mais vous allez arrêter, sérieux? C'est pas interdit, je suis à la maison. Je fais de la personne là. On veut des mecs qui soient OP et tout. Baggy, tu leur dis ou quoi? Sérieusement, c'est quoi tes joueurs là? Oh, merci ma puce. Merci. Attends, ça va monter. Il y a les amuse-gueules qui arrivent. Ouais. Ou c'est la deuxième bière? Attends, c'est ta femme qui te fait à bouffer, c'est ta gosse qui te l'amène. c'est comme ça quand on les a bien élevés. Magnify. Tu sais que bon, je les on peut aller jouer là? Oui, bah allons-y. On attend que toi. Non, il est en train de manger et toi t'es en train de boire. Non, moi je mange et je m'hydrate. Je suis en train de m'hydrater, c'est pas pareil. Mais tu bois de la DSP? Non, c'est une Corona. Mais et t'as j'ai quel âge pour boire de la Corona, mec? Bah justement, c'est soft. Ce soir, je suis soft. Je suis pas comme vendredi dernier. Tranquille. Je bois de la bière. Putain, la vache, ok. Allez, let's go. Eh, Baggy, s'il te plaît, tu les tiens, j'en peux plus. Ok. Mais j'en peux plus déjà. Ah ouais, moi non, j'en peux plus. Bon, comme mercredi, les gars. La même, en mieux. Nano, il joue dans sa cuisine, je sais pas. Du coup... Ah bah,
Ah bah non. Mais pourquoi t'as fait ça, le Guise? C'était moi qui prenais ça. Maggie, voilà. Je prends ça. Ace. Prends Ace. Faut changer, les gars. Y'a pas de Sledge. Ace, on prend Kitchen. Je prends Sledge, je prends Sledge. Vas-y. Non, attends. Je vais prendre Sledge. Prédiction, qui gagne? Alors, il y a du monde. Ils sont où, au fait? Au top, avec top, top. Ils sont au top. Bon, bah, donc, ouverture des traps. On prend le piano. Ils ont fait des strats et tout, attention, attention. Drone dans l'escar rouge. Faut aller voir AMO. Pourquoi il mettra une nomade dans l'escar rouge. Ouais. Voilà. Ace, le mur piano. Ouais. Ok, on face check pas, j'aime bien. Fais la trappe, je drone piano direct. Tu drones rouge. Bon, je drone rouge. Ok, tu laisses. Ah, MO, il s'en fout, il vient de voir un lésion, mais il s'en pas les gars. Il y a un qui est sous la trappe au niveau de la bombe. Ok, vous dronez 6 gars. 6 gars, est-ce que c'est ok? Je suis out au niveau drone. Je drone 6 gars. Ils ont ouvert le mur au niveau piano, hein, si jamais. Okay, il y en a un derrière son bouclier, couloir. Sur le piano, c'est blanc. Ok. Cigare, c'est clear. Et piano? Piano, il y a le Jagger derrière le shield. Ouais. Au niveau de la porte du couloir blanc. Ok. Ok, en position. Je vais faire comme dame, je vais me mettre à la fenêtre. Allez, info. Je suis avec toi. PP, ok. Sur Pixel ou. Allez, tenez la ligne, cigare, y'a rien. Encore. Oh putain, faut pas que je le joue, j'arrête de jouer. T'es trop greedy. J'ai le dog dans le rouge, les gars. Mort. Ah merde. Il y a une nomade là. Il y a une nomade là. T'es où? Ouais, je suis en position, Baggy. Voilà. Non, putain. Je me mets sur les drones, y'a pas de drone bac rouge. Y'a une nomade. Ok, ça marche. Je suis en train de faire quoi, y'a du bruit, cocktail, y'a du bruit. Top white. Dis-le ce que t'es en train de faire. Top white, les gars. J'arrive white. Je sais pas s'il y a du monde palette. Y'a un mec palette, il va me décale. Je crois qu'il y a du monde white. Hein. La lésion palette. Frost morte. Ouais. 20 secondes, les gars, 20 secondes. Regarde Frost. GG ça. Dernier cocktail ouais, les gars. Ouais. Derrière le mur renfo, Aimo. Derrière le mur renfo. Dommage. Ouais, dommage. Ok. J'arrête de pique avec. Le quiz, faudrait que tu parles à un moment donné de dire ce que t'es en train de faire. Tu vraiment, m'as pas entendu quand j'ai dit je vais voir. Non. C'est pour ça que je t'ai dit vas-y, parle, dis-le. Et le château de cartes, il tombe avec toi, hein, Baggy. Ah ouais, oui, mais ça, je le sais. J'arrête de pique avec ce montagne. Mmh. Ouais, derrière, c'était pas mal. Alros, qu'il a fait, c'était pas mal. On était dans une logique où ça avançait, etc. Et après, okay, vous mettez en tunnel vision. C'est ça. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Alors, les gars, ils sont kitchen. Il y a Valkyrie. On va ouvrir Bekri, donc Ace, Thatcher. Prends une Oza Nano pour avoir le boudoir. Donc, Bekri, on va pas faire de l'anti-roaming. On prend Bekri, on push sur Bekri. Il faut qu'on ait la main sur le boudoir et puis sur la prépa. Il y a du Frost et du Castle si jamais, hein. Attention. Ok, il y a personne blanc. Donc, on fait un flash push. Bon. On va ouvrir le mur Bekri. Ok. Il y en a un qui prend boudoir, qui prend la fenêtre boudoir pour voir. Il y en a un qui drone Bekri. Ouais. Drone. Je prends la fenêtre boudoir. Il y a la Frost derrière le comptoir, pingé, ouais. Frost derrière son shield. Nano, c'est pas à toi, c'est à moi d'y aller. T'es pas un boudoir. Non. Ok. Au niveau de la prépa, il y en a un là, sur la gauche. Un Frost derrière le shield, hein. Faites gaffe. Voilà. Elle est où du coup? Elle a bougé, la main sur prépa. Sure. Méo, ok, il y a du castle. Frost au fond là-bas. Est-ce que t'as la ligne boudoir, Méo? Non, j'ai pas encore la ligne boudoir, il y en a un qui est escarre rouge. Il faut. Ah putain. C'est rentré boulangerie, faites gaffe. Oh là là, mais pourquoi je pique là comme un débile? Ok, j'ai la ligne sur boudoir. Il est devenu. Ah oui. Je suis à terre, mais. Je vais me faire décaler. Hein. Bah putain, derrière, il est planqué, il fait sa campouse. Il fait sa campouse Bekri. Il y avait pas ta gauche sur ta gauche, Nano, il y en a un qui fait sa campouse. Il joue la campouse. Il faut que vous pushiez à deux. Derrière le petit meuble, sur ta gauche. Frost en face. Putain, vas-y. Mais comment c'est possible? Faut que t'arrives à le choper par la fenêtre boudoir. Il y avait un drone. Ça marche. Il sera juste sur ta droite.
À gauche, t'as un castle, il va te... Ouais. J'aurais dû peut-être te laisser le son. On avait pas de breacher en plus là, enfin, je sais pas comment ça se fait. Ouais, c'est pas normal. Ah, mais ils font leur campus là. Derrière le petit meuble là, écrit. Mais non, mais c'est quand même pas sorcier. Non. Boudoir, pourquoi il faut de 40 secondes sur, pour tenir, enfin pour aller sur la fenêtre de boudoir? J'ai jamais. Personne l'a le boudoir, les gars. Mais la non fenêtre, c'est tu peux rentrer sur boudoir, on se fait poutrer. C'est y a pas 40 secondes pour aller sur la fenêtre de boudoir. Ah, Emo, tu devais faire quoi sur ce round là? Bah, tenir la fenêtre boudoir. Ouais, ok. Et on s'est fait avoir par la fenêtre boudoir parce que 40 secondes, c'est énorme. Préparez des trucs pour jouer sur la verticalité. Le guide, fais-moi ce fuse là, ça va vous ralentir. Prenez du bug, prenez du sledge, etc. Deux secondes, je prends la parole. Prenez du sledge, prenez du buck à la limite. Et derrière c'est de la verticalité, du contrôle de la verticalité. Donc on veut s'assurer, on va faire de l'anti-roaming en partant du top. On fait les choses intelligemment, on prend 1 minute, 1 minute 30 grand maximum pour s'assurer qu'au top il y a rien. Et nomade, c'est à toi de t'assurer que ça remonte pas, d'accord? 1, on prend le top. 2, on s'assure que ça remonte pas en mettant des nomades. 3, on va jouer sur la verticalité. 4, on plante au niveau de la librairie. Ok, il y aura du monde au top, go. Ça va taper dans les fenêtres. C'est normal, let's go, vous les défoncez. Ok, je drone le top. Je passe par cocktail en dronant. Ok, il y a une rota, il y a une rota cocktail, ils sont sur les cartes. Et moi je drone rouge. Blanc, blanc, il y a du monde. Blanc, il y a du monde. Ok, vigile blanc, vigile blanc, vigile cocktail 1. C1, c'est un vigile. Cigare, c'est ok, allro. Ouais, des rotas. Il y a ouais, le mur piano qui donne. Vigile cocktail, vigile cocktail. Vas-y, mets ton nomade dans rouge. Ouais, j'ai la ligne qui. Droner sur barre, c'est bon. Je vais aller dans le T'as mis ton nomade, ça marche. Attends, je prends une barre. Faites gaffe, faites un cocktail là, j'entends du bruit. Ouais, ouais. Vigile derrière le bar, bon, cocktail ou bar. Cocktail, ouais. Ça marche, ok. Ouais. Allez, faut aller le déloger là. Ouais. Il est cocktail, ouais. Il est cocktail 1, cocktail 1, vigile. Je passe par white, je passe par white. Ah, y'a un lésion, lésion white, lésion white. SK white. Allez, White, il faut le prendre par le flanc. Alro, tu passes par bar. Ou le. Ouais, j'y suis. Le Guiz, vas-y. Tu vas. Putain, le temps. Quoi pute, lésion, quoi pute. Blanc. Couloir White. Putain, mais je croyais que t'avais la ligne sur moi. Il a terre. Bah, ouais, mais je vous montre. Tu peux faire la trappe train, le Guiz. Ok, vous pouvez sauter à la trappe. Sauter, Frost, il est. Attends. Au niveau de pilier, il se dirige vers pilier. 25 secondes, les gars. Frost, il est à la table. Si vous faites un truc débile, faites-le ensemble. Humide, merde. Frost, merde. Pilier, Frost, pilier. Non, elle est mine. Non, elle est mine. Elle est double porte. 15 secondes. Et non, je viens de le voir passer. Elle est mine, la Frost, elle était mine. Valky au pin. Les deux sont blancs. 3 sont blancs. J'ai pas entendu que tu jump. Je n'ai rien compris au call. Hein. C'était le bordel. Je me fais avoir parce que... C'était le bordel. J'ai demandé un flanc gauche en passant par cocktail, mais il faut y aller maintenant. Faut pas, le lésion, il a pris son temps pour ensuite me pousser. Qui c'est qui avait la ligne quoi. Normalement, il fallait pas qu'il allait. Mais oui, mais il fallait que je vous explique, il fallait que je vous montre. Et pendant ce temps-là, moi, je suis pas concentré. Ok. Si c'est un flanc gauche par cocktail, il faut y aller très très vite. Quoi. Ok, je change d'opérateur. Allez, on reprend exactement les mêmes, d'accord. Je vais jouer relax avec montagne. Ok, il y a encore du vigile. Oui, d'accord, c'est bon, on va le truc. Nomade, sledge, ace. Et après là c'est bon. Allez, on monte tout de suite. Allez, prenez le contrôle de ce. C'est bon, j'ai la ligne garage, Nano, vas-y. Ok, bien vu. Allez. On fait exactement pareil, on drone cigare, rouge. Ok, je drone cigare. Je drone okay. Fait, rien, je prends un nomade rouge. Y'a rien dans les ça donne quoi ça donne quoi à pas Emo, ok, je monte rouge. Ça donne quoi cigare, y'a quelqu'un clair. Non, non, cigare, c'était clair. Pire, et piano, ça aussi. Il y a un gadget de Jagger là-bas. Piano c'est clear. Non, il y a un piège de Mickey aussi. La porte point 8, il y a Jagger, les gars. Et il rentre dans les chiottes. C'est bon, stop. Cocktail 2. Allez. Cocktail 2, il y a du monde. C'est bon, il y en a un sur le coin P. En position, Baggy. Allez, envoie des flammes si t'es en haut. Ouais, quand tu veux. C'est ouvert sur le mur bar, ici, ouais. Sur le ping 2. Je vais le pusher sur le coin P, d'accord. Ok. J'ai tué Mully dans le bac, dans le rouge, là.
prenez les lignes cocktail pour deux, le cocktail 2, cocktail 2, il y en a toujours un. On va planter défaut. Bah rouge, arrive rouge, alibi rouge les gars. Alibi à vous flanque rouge. On va planter défaut, ping 2. Vous avez pas un drone pour mettre dans le rouge? Je vous dis ça va. Il y a rouge, des toujours cocktail 2 direction blanc blanc. Allons, alibi cocktail 1, alibi cocktail 1. Cocktail 1. Nano, ouais. Nano. C'est bon, je l'ai eu. Quand tu veux. Et tu mets une nomade sur le blanc, sur le ping 2. Ok. Mets une nomade sur le bon, ping 2. Bon, ça y est. Lâche le diffuse. Lâche le diffuse. Tiens. Merci. Quand tu veux, Baggy. Je pousse défaut. Ne poussez pas tout de suite. Tenez juste les lignes. Je pose défaut. D'accord, vous avez une ligne ici. Vas-y. Un mec a pris une nomade dans le raid. Dans le raid, ça a pris une nomade. 50. 75. 100. J'ai la vue sur le raid. Ah, c'est bon. Freezer, Jagger. Freezer, c'est pas grave. Ok, mort raid. Freezer. Voilà. Bien joué, les gars. Ah, c'est dur, hein. Ouais, c'est dur. À un moment donné, c'est une cacophonie, je comprends rien du tout. C'est normal. Ouais. C'est non. Stop. Hein. Non, faut pas casser ça. Au contraire, le momentum il est bon. Vaut mieux de la cacophonie et vaut mieux s'adapter à cette cacophonie plutôt que commencer. Non, je te jure que tous les calls étaient bons. Le Guiz a dit deux fois qu'il y avait un mec dans le rouge, c'était bon. Ton call était bon et c'est normal que ce soit la cacophonie, c'est normal que ça gueule, etc. Il vaut mieux avoir ça et après travailler sur le fait d'enlever de la pollution plutôt que de voir un truc propre, ce sera jamais propre. En avant. Il y a du monde au T1, au T1. Au C1, C1. C1, il y a du monde. Tu viens avec... C'est moi le premier, merci. Point P. Tu prends ta ligne, point P, tout de suite, pré-shoot. C'est la Valkyrie qui va nous back. Voilà, c'est bon. Ok. Y a plus personne, point P. Prenez les lignes. Fridge, Valkyrie. Toujours au CR. Là, ici, là, tu. Là, hopping, alibi. Alibi. Le Guiz ici, blanc, couloir blanc. Cocktail, ça vous back. Alors, ça te back. Oh non, je l'ai tué. Cigare. Oh. Iso. Oh putain, non. Allez, cigare. Elle est morte, cigare. Ok, d'accord. Je drone. Normalement, au CR, il y a du monde encore. Il y a quelqu'un dans le bar, faites gaffe, hein. Parce qu'ils ont une ligne directe sur le désarmo. Le bar il est clear, le fridge il est clear. Ok, C3, récupère le... Non mais C3, ne le dis pas, ils savent pas ce que c'est. Ok, cocktail 3. Cocktail 3, hopping. Juste cocktail. Derrière son shield, je pense. Ils savent pas ce que c'est. C3. Si tu poses là derrière cocktail, le bar, c'est bon, je peux te protéger. C'est cocktail en fait. Vas-y. C'est le C de cocktail. Attends. 17 secondes, arrête de... Protège. Vas-y. Attends. C'est bon, je plante. Il plante. Dis-le, 25, 50. 50. 50, 60, 75, 90. Bon. Sur cocktail. Sur cocktail, ah, ouais, c'est un. C'est pas grave. Tu es au top là, c'est bon. Ouais. Derrière, ouais, c'est bon, vas-y. Barre 2. Ça a des amours. Ah, dommage. Ok, bien joué. Ouais, pas. Je peux pas couvrir, pose défaut ici. Vous prenez des lignes qui, ne, j'ai l'impression, qui ne servent à rien, quoi. Passez 10 secondes sur une ligne qui ne sert pas, quoi. Allez, tranquille, on respire un bon coup, les gars. On va se remettre dedans. Il faut que notre exécution soit un peu plus rapide. Baggy, tu veux que je prenne montagne? C'est joué. Montagne, c'est surtout pour prendre des infos. Vas-y, moi je prends Ace. Est-ce que vous voulez qu'on ouvre garage, les gars? On va essayer d'ouvrir garage. Ah, moi, c'est la meilleure. Ouais, mais si c'est garage, si tu veux passer par la finition, faut aller au top. Hein. Ok, je laisse un drone au top. Donc tu veux ouvrir garage? Enfin, tu non mais ce que vous avez fait alors c'était parfait là. On passe Bécri comme avant. Point. Oui. Okay, juste d'accord. Que Alimo tu sois pas débile. Ok. Allez, moi je vais dans boudoir, je vous offre ça. Ouais. Et il faudrait que tu pètes le mur qui est en faux boudoir aussi. Ah non, c'est ouais. Attends, je vais le faire. Attention, il y aura du cap car. Drone boudoir. Est-ce qu'il y en a un qui peut me mettre un drone en dessous de la table de boudoir? On a une cam là. Boudoir, il est un mec bas raid, il y a un mec, il va peut-être. Oui, mais est-ce qu'on peut mettre un drone dans boudoir? Ouais, je mets un drone boudoir, je le fais.
Voilà. Quoi, c'était derrière le comptoir boulangerie? Il y a lésion train. Cheminée, pardon. On s'en fout, c'est pas notre priorité. Nickel. Est-ce qu'il y a un drone dans... Hopping devant la porte. Elle est où la poste? Vous m'avez tiré dessus, les gars. Allez, vas-y, il faut l'ouvrir. Y'a pas de drone sur boudoir, c'est pas vrai, quoi. Attends, mais tu me tires sur... Vous avez du monde, boudoir, hein. Mais oui. Ouais. Il est clear le boudoir ou pas? C'est bon? Rouge. Ah, Méo, vas-y, appuie sur ton truc à Méo, Lyon. Okay, fais ton boulot. Bah oui. Parce qu'elle est non rouge. J'ai pas la capacité. Allez, prenez boudoir. 4, 3, mais t'es Lyon. Allez, go. Méo, tu fais la potion sur. Tu fais la passion sur. Attention, top prêt, t'es ouvert. Je vais ouvrir. Le Guiz, j'ai besoin de toi pour que tu prennes les lignes sur farine et puis sandwich. Allez. Ok. On se fait un kebab. Je crois que ça allait retourner sur site. Ouais. Top train, c'est ouvert, hein. Lâche le diffuse à l'euro. Attention, là. Ici au coin, là, il y en a un ping 1. T'aurais dû rentrer prep avec le jeu. Oh, je suis mort, putain. Putain, boudoir, ça va venir, boudoir. Ah bah, on est cuit, hein. C'est un truc de malade. Frost, il est mort. Ouais. On n'est pas en mode casual, là, hein. On est en mode compète. Hein. Grave. Donc, c'est si j'ai besoin d'un drone dans boudoir, c'est que c'est vraiment une place forte. Bah, j'ai pas pris de castle. Bon, c'est bon, je l'ai. Ok. Le con farine. Le col farine, plus connu sous le nom de Pierre Palmade. Il y a un drone. C'est trap, ça drone encore. Ça a sauté. Danone, ça a sauté. Ça push Danone. C'est bon. Danone hopping. Y'en a deux, piano, y'en a un. Ici sur ping 2. Ouais, open quelque chose, les gars, ça open quoi là? Ça open quoi? Mort, un derrière le piano. Il est allongé. Ouais, bah attends, j'ai aussi le bug là au niveau du mur piano. Est-ce que je remonte ou. Sanson, est-ce que tu peux prendre ma cam? Danone. Putain de chien. Danone encore. Cigare. Danone. Cigare. Il y en a un cigare et un Danone. Voilà. Le drone. C'est en train de switch. Qui clignote là, le drone qui clignote. Ça drone. Alro, il y en a un qui est juste à côté de l'horloge. Ping. Ouais. Ah. Blanc, ça arrive, blanc. Qui le voyait pas en ouais, blanc. GG. Essayez de tenir le piano le plus longtemps. Mais non, mais... Mais arrête d'être greedy, putain. Piano. Cigare et piano. Voilà, pas de bruit, bougez pas. Tranquille, Aimo il va faire de la merde. Aimo il va faire du caca, je le sens. Voilà. Cigare. Fridge. Voilà. Désaffridge. Bien joué. Je la choque. Désolé, j'aurais pas dû mourir, j'ai piqué comme un con là. C'était débile. Pas de raison de piquer là. Là, il savait pas quoi faire. Dis où tu crèves. Qui est sur site, hein. C'est moi, je suis descendu, je suis dedans là. Est-ce que tu peux fermer la porte dining? Je crois qu'il y a quelqu'un biblio. Putain, biblio, oui. Ouais, biblio nomade. Putain. En bas des escalades, ils sont deux. Ouais. Putain, C'est pas vrai. Je l'ai entendu à droite. Attendez, je vais juste pisser, j'en peux plus, je vais me pisser dessus. Ouais. Est-ce qu'il va pas baguer sur l'exécution, sur la prep? C'est les basiques. Hein. Les basiques. Ah, c'est pas la finition là. Ah, fais suer. Mais non, parce que sur ce bon site, Six, il m'a devancé sur ça, mais faut prendre le top, les gars. Mais je sais pas comment vous remettez de gauche à droite. J'ai l'impression que vous êtes en train de courir plutôt qu'autre chose. Bah non, moi j'étais en position, il a tiré, je l'ai mangé direct.
On a perdu combien là, 7 combien? 7-3. Lamentable. C'est... Qu'est-ce qui va pas d'après vous? Bah moi je pense qu'on prend beaucoup de temps pour certaines choses, enfin trop de temps, on devrait aller plus vite dans certains trucs. On s'est souvent retrouvé à 30 secondes et puis on n'avait pas fait grand chose finalement. Et puis du sur coup, les... ça prep, compte. Tu parles quoi. Sur les prep. Non mais par exemple, l'insertion dans le piano. Mm-hmm, exactement, c'est trop long. C'est trop long, mais à la fin c'était quand même pas mal, jusqu'à l'ouverture. Alors c'est sûr que c'est peut-être pas grand chose sur une strat, c'est que quelques secondes. Mais là, j'ai commencé à avoir des automatismes. Mmh. Sauf, ce qu'il faut, c'est que ensuite aller beaucoup, beaucoup plus loin. Par exemple, le Guiz qui a, je pense, qui a un meilleur shoot. À un moment donné, il faut que tu prennes la responsabilité de pré-shoot sur le coin P. Ah, non, ou alors, d'envoyer une grue. Je prenais le bac du raid après, je suis venu. Mais le bac du raid, ça serait nomade. De dire, ok, même si j'ai mis une nomade, je reste dans le raid. Là, à un moment donné, on était trois. Exactement. On suivait à trois, ça. Je me suis dit, s'il y en a qui vient, c'est pas normal. Mal, ça, c'était ouais, le alors ce qu'il faut faire à ce moment-là, si on sait que le cigare est ok, d'accord, il y en a un, enfin mezza cigare et cigare est ok, à ce moment-là il y en a un qui passe entre autres montagne ou un autre, un qui passe par le mur que l'on a ouvert et un qui passe par cigare, et à ce moment-là celui qui est dans le P il est pris par les deux, comme là en fait. Tu sais, quand je tue la Valkyrie, elle arrive à nous tuer avec le C4, en fait je prends la Link Fridge parce qu'on dit il y a l'autre fridge et on open le mur, et en fait ça nous met dans la sauce en ouvrant le d'accord. mur. Je me dis on va se faire péter et du coup je viens pas t'aider, pour ça je garde la ligne fridge, et en fait avec l'open du mur bah ça nous met dedans quoi. C'est ça. Et après, ah, puis moi avec Capitao, quand tu poses défaut, je sers plus à rien. Là. Comme le 1v2, donc, là, je peux pas. Je suis bloqué. À ce moment-là, parce que ça, ce mur-là est souvent ouvert, ce qu'il faudrait, c'est comme la dernière fois, Alro puisse nous aider à prendre une ligne sur le stock fridge, et toi, tu viens m'aider pour prendre juste le couloir blanc. Ce qui fait que ça laisse le temps ensuite à Méo de planter défaut. Et dans les C1, entre autres pour le bac, entre autres nano. Ouais, mais dès l'instant que tu veux poser défaut, Baggy, ma position, elle est inutile. Où est-ce que je rote? Tu descends raid et puis tu vas cigare et tu coupes la ligue cocktail et... Ouais, c'est ça qu'il faut que je fasse. C'est ça. Il faut réagir en fait quand il plante, c'est trop si... tard. Si on plante défaut, pas besoin d'aller au fond dans cocktail, dans bar et puis tout, juste la moitié. Ouais, okay. Et puis faire attention au bac. Il y a juste ça si on le définit. Ok. Mm-hmm. Que tu penses de cette analyse? Je sais pas. Je sais pas par où commencer. Allez, Cash, Baggy, faut que tu travailles sur le fait d'arrêter de remettre la faute sur tout le monde. Ok, t'as fait beaucoup d'erreurs, d'accord. Et faut arrêter de dire c'est toi, machin truc. Il y a eu trop de fois où ça partait, on frôlait la toxicité. Ce qui est pas vraiment ton style. Je pense que c'est plutôt une frustration parce que t'essaies de tout contrôler et au final t'as 4 blaireaux à contrôler qui savent pas quoi faire. Donc je sais que c'est frustrant, mais au final il y a eu 2-3 fois où c'était de ta faute et c'était pas de la leur. La fois où tu te décales avec le montagne, c'est un round perdu et c'est un round perdu qui est, enfin pas vraiment par ta faute, mais c'est l'une des cartes du château qui tombe quoi. Ensuite on est sur Rainbow Six en 2023, c'est plus comme avant. Ok. Quand c'est une situation de 2v2, c'est une bonne situation. Tout à l'heure, quand ça se termine en 2v2 à 40 secondes de la fin, c'est une situation dans laquelle beaucoup de joueurs pro aimeraient se retrouver. En attaque, 2v2, 40 secondes, t'as le time. 2v2, 16 secondes, bon, on commence à discuter, ça commence à être relou. Là, ça avantage beaucoup la défense. Autre chose, plan de défaut, etc. C'est bien en 2018, ça, ces strats-là. Si les mecs sont à peu près dans la méta plat plus, votre plan de défaut, elle passe pas. C'est pas possible. C'est vraiment très difficile de planter sans avoir des lignes qui soient ouvertes, surtout s'ils ont pété la plante défaut. La rambarde et le petit bar. Oui, s'ils pètent les rambardes, etc. machin quoi. Le mieux, honnêtement, la nouvelle plante défaut, c'est l'entrée du fridge. Ok. Oui, juste à côté de la... Au niveau là de où il y a de la poubelle. Là où il y a la poubelle. C'est le premier endroit sur le bomb site où vous avez un mur non cassable parallèle à l'endroit où eux ils sont. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ouais. Donc c'est, y a plus qu'à tenir, C'est le seul endroit de protection absolue au final. Avant la plante défaut, parce qu'il y en a un qui font un contrôle de la verticalité. Bon, ça veut pas dire qu'il faudra pas un contrôle de la verticalité pour planter à cet endroit là. En revanche, vous aviez une logique de Capitao plus montagne. Bon, bah ok. Mais dans ce cas là, on utilise Capitao plus montagne. Donc par définition, bah on plante pas vraiment défaut. On plante à côté du défaut. Parce que le problème de la plante défaut, c'est qu'il se prend des C4 défauts et des trucs défauts dans la gueule. À la limite, avec une plante montagne plus du Capitao, fait la plante cul vers le problème avec des smokes. D'accord. Donc, je vais planter, vas-y. Smoke. Et mon montagne, il se met à un endroit qui est pas vraiment défaut, genre sortie de cigare, ou dans le corner à droite, qui était l'ancien défaut pour le coup là. Ça, c'était vraiment le vrai défaut au niveau du petit plateau sur roulette là. Et ça, c'est parfait pour un montagne ici. Il y aura des smokes
smokes qui vont être envoyés par le Capitao qui cassent les lignes des personnes qui vont être au niveau de nouvelles passerelles et cocktails. Et de toute façon, même s'ils essayent de tirer comme des débiles dans les smokes, bah ils se rendent pas compte, mais c'est un montagne qui est retourné et donc qui a son shield sur son dos. Ça se fait, hein. On l'a vu même pendant le Six Invitational, c'était plutôt un blitz, mais ça se fait. En revanche, bah, si on utilise ça, dans ce cas-là, on plante pas défaut, si c'est bien joué. Et puis, juste une question. Vas-y. Allô ? Ah ouais. Ah ouais, quand on est en 3v2 en défense, est-ce qu'on n'a pas meilleur temps de retourner sur site et justement camper nos positions ? Mais ça veut rien dire, ou... ça c'est... Non, vrai. Mais je sais pas, je demande, c'est une vraie question. Une fois de plus, c'est Rainbow Six. Il y a aucun truc. Parce qu'après, si je te dis, ouais, t'aurais dû retourner sur site, bah oui, mais c'était pas possible, ok ? Parce que parfois, tu vas passer dans des lignes. C'est trop compliqué de répondre à ce truc-là. Parfois, okay, vaut mieux jouer un retake, etc. Oui, on serait amené à dire, bah si on est en 3v2, autant retourner sur site. L'idée, c'est pas si vrai que ça. Ça dépend des sites, ça dépend des maps, ça dépend de plein de choses, ça dépend de l'opérateur que tu peux avoir, etc. Néanmoins, tout à l'heure, dans la situation dans laquelle tu parles, premièrement, il y a un call qui part, qui est celui de Baggy, qui dit « Le Guise, qui est sur site ?» Tu le vois qui est sur site, hein, Baggy, t'as pas besoin de demander. Hein. Tu l'as regardé par transparence. Donc déjà, ça c'est le situational awareness, vous n'avez pas besoin de demander. Si vous connaissez les maps, vous savez par transparence qui est où. Donc pas besoin réellement de le demander, c'est pas très grave en l'occurrence, mais voilà. Ensuite, quand on est mort, on donne les caméras qu'on prend. Arrêtez d'être débile là, à regarder les caméras et vous dire « Bah, il n'y avait rien sur ma caméra, donc j'ai pas donné l'info. » Mais l'info, parfois, elle peut être capitale de savoir que vous avez la caméra du main encore qui est activée. Il y a des caméras qui valent cher, en fait. Tout à l'heure, la caméra 90, j'ai la cam 90. Ça permet à des personnes qui sont en vie de se dire « J'ai un pote qui est dans le 90, au final. » C'est énorme, ça me donne beaucoup d'infos. Donc n'hésitez pas à donner ce genre de call-là. Ou des calls, par exemple, en envoyant un de vos potes qui est en train de se déplacer, en lui disant « C'est bon, c'est clair, tu peux y aller, je viens de le voir sur la caméra, quoi. » De le rassurer en disant « Ah, ok, d'accord, il a la cam. » Ça permet aussi de resserrer un petit peu les taux de vos potes qui sont un peu perdus et qui se disent « Attends, je sais pas où ça peut être. » Et tout à l'heure, j'ai pas vu où vous étiez sur le 3-2. Enfin, j'ai vu où était Baggy, j'ai vu où était Le Guise qui était sur site, pour le coup, presque, je sais pas. Faudrait revoir exactement pour voir exactement ce qui s'est passé. Bon bref, vous êtes prêts? Vous êtes chaud? Pas les pisser. Ah ouais, vas-y, bah ouais. J'arrive. À part ça, à votre âge, vous supportez bien la crème aussi, ou bien c'est comme moi, après vous chiez en spray pendant deux... Oh putain, c'est pas possible. Ça y est. Non, moi ça va, ouais. Je suis en mode combat. T'es lactose intolérant là, mec. On a des ventres, mon gars, moi je peux manger un truc avarié. Non mais la crème c'est trop bon, hein. Je fais que d'en bouffer, mais après je chie comme un porc. Merci, Nan. De rien. Mais en même temps, avec mes chiottes, ils sont hyper confortables, ça me fait plaisir d'y être. Franchement, ça fait plaisir ce partage.